Le titre de notre message. The title of our message today. Que la paix de Dieu demeure en nous. May the peace of God dwell in us. Alléluia. Amen. Il va de soi. It goes that way. Puisque nous avons dit que le terme de l'année, Dieu est avec nous. Since we said that the subject of the year is that God is with us. Que aujourd'hui le titre de notre message soit que la paix de Dieu demeure en nous. And today our message is may the peace of God dwell in us. Si Dieu est avec nous, if God is with us, nous avons la paix. Of course we have peace. Le jour où vous sentirez qu'il n'y a pas la paix en vous, the day that you will feel that you don't have peace, dis-toi en dans ton cœur, tell yourself in your heart, Dieu n'est pas avec vous. God is not with me. Parce que là où est Dieu, because where God is, la paix règne. Peace reign. Là où il y a Dieu, where God is, la paix demeure. Peace dwells. Hallelujah. Amen. Amen. Les deux termes vont ensemble. Both subject goes together. Dieu est là. God is there. Et la paix se trouve. And peace. Là. La paix nous couvre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si vous voulez vous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. If you can please stand so that we can read the word of God. La parole de Dieu que nous allons partager, the word of God that we'll be sharing today, c'était une parole qui va nous conduire dans la paix. Is a word that will direct us into peace. Il s'agit de Esaïe, which is in Isaiah, chapitre 26, verset 3, chapter 26, verse et 4. 3 and 4. À celui qui est ferme dans ses dispositions, qui assure une paix parfaite, parce qu'il se confie en toi. Placez votre confiance toujours à l'Éternel, car l'Éternel est le rocher de toute éternité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okay, vous pouvez donner une parole. Alléluia, alléluia. Merci. Prenez place, que le Seigneur vous bénisse. Thank you, may God bless you. Please be seated. Alléluia. Amen. La paix. Peace. La paix. Peace. Je vous apporte la paix de Dieu. Peace of God. Je vous apporte la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Peace of our Lord Christ. La paix dans vos foyers. Peace in your home. La paix dans vos familles. Peace in your family. La paix au travail. Peace at work. La paix dans vos amitiés, dans peace vos relations de chaque jour. And in your daily, la paix au sein de la famille élargie. In the family. La paix partout. Peace everywhere. Partout où vous êtes, que la paix règne. Everywhere that you'll be, may peace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaite que vous soyez des hommes et des femmes de paix. I'm wishing you to be men and women of peace. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, nous sommes habitués à entendre les Nations Unies parler de la paix. Often, we're used to hearing United Nations talking about peace. Les grandes puissances parlent de la paix. Big country, powerful country, talk about peace. Lorsque that are the foundation of that lack of peace. Lorsque tu découvres ce jeu, when you discover that game, tu te poses la question. You may wonder. Qu'est-ce que la grande puissance, les grandes puissances veulent dire par la paix? What are those powerful countries trying to say when they talk about peace? Alléluia. Nous entendons, nous suivons que les gens sont en train de tuer les gens au Burundi. We hear and we follow that people are killing others in Burundi. Alléluia. Amen. Qui donne les armes who pour gives tuer? The weapons to kill? Si on fermait et qu'on ne donnait pas les armes, je suis sûr que l'État, le gouvernement ne peut rien faire parce qu'il n'est pas approvisionné. If they wouldn't accept to send those to accept those weapons, I'm sure that they wouldn't be able to fight back. Si continue à tuer, c'est parce que il y a quelqu'un qui fournit les armes. If they keep on killing people, it's because someone is giving them weapons. Mais lorsque Dieu parle de la paix, but when God talks about peace, lui, il ne nous fournit pas les choses pour combattre. He doesn't give us things to fight. La paix de Dieu, c'est pour dire peace from God. Même si quelqu'un te jure, toi tu ne réponds pas. Is to say that even if somebody is fighting against you, you won't
answer back. Lorsque quelqu'un te menace, when somebody is threatening you, Dieu dit, God says, dis-le-moi, moi je m'en occuperai. Tell me and I will take care of it. Lorsque quelqu'un te fait du mal, when somebody is hurting you, Dieu dit, God says, à moi la vengeance. To me be the revenge. Moi je prends la bataille, je prends la guerre en charge. The fight, the war, ne vous battez pas, je l'ai à moi, don't moi fight. Je vais vous protéger. Come towards me and I will protect you. Voici la paix de notre Dieu. Here's the peace of our God. Alléluia. Cette paix a été annoncée. That peace has been announced. Lorsque les anges sont descendus when au ciel. The angels came from heaven. Le jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. The day of the birth of Christ. Ils ne sont pas allés chez Hérode. They didn't go to Herod, the king. Qui était le roi à cette époque. That was the king at that time. Ils ne sont pas allés chez les sacrificateurs. Nor towards the priest. De cette époque-là. Of that time. Ils ne sont pas allés chez les pharisiens, or les hommes the de la loi. The man of law. Pour annoncer to announce la bonne nouvelle. The great news. Ils ne sont pas allés chez les scribes qui écrivaient la loi. Nor the scribe that would write the law. Ils sont allés chez they went le to the shepherds, the small people. Et qu'est-ce qu'ils ont annoncé? And what did they announce? La paix sur la terre. Peace on earth. Alléluia. La paix sur la terre. Peace on earth. Est-ce que l'homme a respecté cette paix? Did the man respect that peace? D'un roi simple. From a simple king. Qui est né dans une étable. That was born in a dans une ferme. In a farm. Alléluia. Qui est né dans une ferme et l'enfant qui dort dans une mangeoire. And the child that was sleeping in a place where cows eat. Là où on mange les animaux. Amen. C'est là où on a fait coucher le roi des rois, le Seigneur. That's where the King of Kings, Lord of Lords, slept. La simplicité. Simplicity. L'humilité. Humility. Qui accompagne la paix. That came with peace. Alléluia. Amen. Celui qui a la paix doit être, quelqu'un qui cherche la paix doit d'abord être humble. The person that's looking for peace has to be humble. Alléluia. Amen. Il doit être petit. They have to be small pour que Dieu le lève, so that God can lift them up at the right time. Alléluia. Alléluia. Amen. La paix. Peace. La paix, il annonce la paix à tout le monde. They announce peace to everyone. Malgré cet appel qui nous est adressé, with that call that's for us, d'être en paix, to be in peace. Alléluia. Amen. Nous nous obstinons dans l'incrédulité. We constantly complain. Qu'est-ce que l'incrédulité vient faire là-dedans? What's incredulity doing in that? Parce que nous ne croyons pas dans la paix de Dieu. Because we don't believe in Dieu nous dit qu'il va intervenir pour nous. Est-ce qu'il va intervenir? Il va que moi-même je fasse quelque chose. God is telling us that He will intervene, but is He really going to do so? I have to do que moi-même je fasse quelque chose. I really have to do something myself. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne comptons pas sur Dieu parce que nous ne croyons pas à Dieu. Nous comptons sur notre propre force. We count on our own strength. Nous comptons sur notre propre intelligence. We count on our own intelligence. Tu es attaqué au travail. You're attacked at work. Alléluia. Amen. Tu dis, je veux voir un avocat. And you say, I want to see a lawyer. Un avocat qui peut me conseiller comment je peux tenir la tête à ce boss qui est en train de me menacer de me mettre. A lawyer that can advise me how I can stand in front of that manager that's non. My nerves. Dieu veut la paix avec cet homme. God wants peace with that man. Tourne-toi vers Dieu. Turn towards God. Tourne-toi vers Dieu. Turn nous venons de voir God. Que Dieu est avec nous. We just saw that God is with us. Va lui dire. And go and tell them. Comme le roi Josias. Like the king Joseph. On lui a dit, il y a 5 rois qui viennent vous attaquer avec leur armée. They told him, 5 kings are coming to attack you with their army. Il n'a pas réuni son état-major. He didn't put all his army together. Il n'a pas réuni son cabinet ministériel. Or all his people.
il a réuni les gens, venez, allons dans la maison de l'Éternel. He reunited people to go in the house of the Lord. Allons dans la maison de l'Éternel. Let's go in the house of the Lord. Certainement qu'il va faire quelque chose. For sure he will do something. Et lorsqu'ils se sont humiliés, and when they humbled themselves, et lorsqu'ils se sont mis à genoux, when they got on their knees, Dieu qui n'était pas loin d'eux, God that wasn't far from them, il a donné immédiatement la réponse. Right, il a donné immédiatement la réponse. Right, cette guerre n'est pas à vous. That war, that fight is not yours. C'est ça la réponse de Dieu. That was the fight, that was the answer of God. Cette guerre n'est pas à vous. That fight is not yours. Cette guerre est à moi. It's mine. C'est moi qui ira sur le terrain. The one that will be on the... C'est moi qui irai sur le terrain. I will be the one fighting. C'est moi qui irai sur au front. I will be the one at the front line. Et c'est moi qui combattra. And I will be the one fighting. Et c'est moi qui remportera. And I will be the one getting victory. Le reste vous le savez. The rest you know it. They gain victory. Et le roi pour dire je honore la parole de Dieu. And the king to honor the word of God. Il a mis les musiciens devant les soldats. Put all the musicians in front of the soldiers. Alléluia. Ce sont les musiciens qui louaient l'Éternel qui étaient devant et les soldats derrière. And the musicians that were praising the Lord were in front. Alléluia. Mais les soldats n'avaient rien à combattre. Lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, ils sont descendus pour prendre le butin. But the soldier had nothing to fight with when they got on the mountain. They just went down to take the butin. Voici comment récompense ceux qui font confiance en lui. That's how the Lord rewards the one that trusts him. Toi aussi. Yourself. Moi aussi. Myself. Si tu laisses Dieu combattre pour toi, if you can let God fight for you, tu verras la gloire de Dieu. You will see the glory of God. In Amen. Your life, Amen. Dans ta famille, in your family, dans ton travail, in your work, dans tout ce que tu as, and in everything that you will do, laisse Dieu combattre. Let God. Alléluia. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher, instead of seeking, si nous voulons chercher remporter la victoire, if we want to get the victory, entretenons une relation intime avec notre Dieu. Let's keep an intimate relationship with our God. Alléluia. Que Dieu soit ton intime. May your God be your intimate. Alléluia. L'intimité n'est pas seulement pour mari et femme. Intimacy is not only for husband and wives. On peut avoir l'intimité aussi avec Dieu. You can also have intimacy with God. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as l'intimité avec Dieu, and when you have les insécurités et la paix est autour de toi. And peace is around you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyez, ne recourons pas à nos propres moyens. Let's not use our own strength. Je suis intelligent. I'm intelligent. Je vais planifier cette affaire. And we'll plan that thing. Je vais faire en sorte que je puisse je puisse m'opposer à ce problème. I'll make sure that I can take care of that problem. Je vais arrêter cette situation. I will stop that situation. Je n'ai pas étudié pour rien. I didn't study for nothing. Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on étudie. There are some things. Il y a d'autres dont on n'est pas capable. Tu dis, je me résigne devant mon Dieu. There are some things that we study, but there's other things that you have to take God, to let God be in front. Et lorsque tu te résignes devant Dieu, and when you surrender in front et of tu God, dis le moyen de combattre sont zéro pour moi, and you say that you have nothing to fight with, Dieu seul remportera la victoire. God alone will get the victory. Dieu seul est ma justice. God alone is my Alléluia. Justice. Alléluia. Dieu God intervenes. Il y a quelques années, je vous ai raconté une histoire d'un voisin qui m'a brutalisé. Il a jeté la neige dans ma parcelle, vraiment sans raison. I've told you a story of my neighbor that threw snow in on our side. J'étais libre d'aller l'accuser au tribunal. I was able to accuse him in court. Mais je me suis dit, Dieu est ma justice. But I said, God is my
justice. And I let him go. Aujourd'hui, today, ce matin, this morning, je suis allé à l'évangile. I went to take out the snow. Sa femme a levé la neige à côté de moi. And his wife was helping me. Nous sommes parlé. She was doing her side and we talked. Nous avons dit que le temps n'est pas tendre pour le moment. Nous avons parlé du temps. We talked about the weather. Alléluia. Amen. L'ennemi d'hier. The enemy of yesterday. Est une amie d'aujourd'hui. Is now a friend of today. Alléluia. Amen. Parce que nous n'avons pas accusé, parce que nous ne sommes pas allés au tribunal. Because we didn't go in court. Nous devons imiter Isaac. We have to be like Isaac. Isaac, le fils de Jacob. Isaac, the son of Jacob. Alléluia. Amen. Isaac, le fils d'Abraham. Isaac, the son of Abraham. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a été attaqué par le roi de la région, when he was attacked by the king of the, à plusieurs reprises, of the place, many times, il n'a rien dit. He didn't say anything. Il a mis sa justice devant son Dieu. He put his righteousness in front of God. Alléluia. Amen. La première fois. And the first time. La deuxième fois. The second time. La troisième fois. The third time. Et le roi a remarqué que cet homme avait quelque chose de spécial. And the king realized that that man had something special. Il a déposé les armes. So he let go the weapons. Isaac avait déjà quitté la région. And Isaac already left the place. Lui et son secrétaire et ses ministres sont dit, cherchons là où il se trouve. And him and all his people were looking for Isaac. Cet homme, Dieu est dans sa vie. Because they knew that that man, God was in his life. Alléluia. Ils sont allés rencontrer là où il est parti. They went to look for him where he left. Nous venons faire la paix avec toi. And told him that they wanted to make peace with him. Vous voulez faire la paix? Moi, je vous ai laissé, je suis parti. Pourquoi vous me poursuivez? And he said, I left you, I gave you peace. Why are you following me? Nous venons, nous avons vu que vous êtes, que Dieu est de ton côté. We saw that God is on your side. C'est pourquoi nous avons suivi pour que tu puisses prier. That is why we followed you, so that you can pray for us. Frères et sœurs en Christ. Brothers and sisters. Lorsque tu gardes la paix de Dieu. When you keep peace of God. L'ennemi d'hier vient vers toi pour dire, réconcilions-nous. The enemy of yesterday comes towards you to say, let's reconcile. Mais lorsque tu dis, je vais arranger le problème à ma façon. But when you say that you will fix the problem in your own ways. Je vous dis que vous ne réussirez pas. I'm telling you that you won't succeed. Et vous êtes en train de créer la haine. And you're creating hatred. Vous êtes en train de créer le problème. You're creating other problems. Laisse tout entre les mains. Just let it in the hands of God. Et Dieu fera. And God will do. Et Dieu fera. He will do. Et Dieu fera. And he will Alleluia. Do. Alléluia. Immense pécheur que nous sommes. As sinners that we are. Cet état fait de nous des ennemis. That state makes us enemies of God. Alléluia. Amen. Lorsque nous voulons faire les choses telles que nous le voulons, telles que nous le pensons. When we want to do things our ways. Que nous devenons des ennemis. We become enemies of God. Parce que Dieu dit, confiez-moi tout, confiez-moi tous vos problèmes. Because God says, surrender to me all your problems. Confiez-moi tous vos problèmes. Give me all your problems. Et je vous apporterai la solution. And I will bring you a solution. Et ne vous inquiétez de rien. And don't worry about anything. Mais nous disons, but we say, non, nous ne croyons pas en toi. Nous allons faire selon notre intelligence. We don't believe in you. We will do according to our intelligence. Soyons du côté de Dieu. So let's be on God's side. Écoutons la parole. And listen to His word. Puisque Dieu nous a promis d'être avec nous. Since He promised to be with us. Référons-nous à ça. So let's refer to that. Saisissons l'opportunité pour dire Dieu va nous donner la victoire. And take the opportunity to say that God will give us victory. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque nous ne faisons pas ce que Dieu veut. But when you don't do what God wants. Nous oublions que Jésus-Christ a fait la paix. We forget that Christ made peace. Il a fait la paix à notre place. He made peace
for ourselves. Mais nous ne voulons pas accepter que Jésus-Christ a déjà fait la paix. But we don't want to accept that Christ already made peace for us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un terme populaire qui dit. There's a popular saying that says. Qui veut la paix prépare la guerre. Whoever wants peace prepares war. Alléluia. Amen. Qui veut la paix? The one that wants peace is preparing war. Ça, certainement, ce n'est pas une parole de Dieu. For sure, it's not something from God. Parce que Dieu dit, ne préparez pas la guerre, moi je suis là. Because God is saying, don't prepare war, I am there. Je vais m'en occuper. I will take care of that. Mais nous nous disons, but nous devons préparer la guerre, on ne sait jamais. Prepare a war, because you never know. On ne sait jamais ça. You never know. Dieu peut être absent. God can be absent. Dieu n'a jamais été absent. God has never been absent. Nous devons lui faire confiance. So we have to trust him. Nous savons qu'il apportera. We know that he will bring a solution. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix de Golgotha. The blood of Christ has been shed on the cross of Golgotha. Pour que la paix de Dieu règne. So that the peace of God can reign among us. Mais malgré cela, nous le savons, nous le disons, nous le chantons, mais pas confiance. But even if we say it, we sing it, we don't believe it. Nous devons régler le compte. We have to take care of that. Cessons de régler le compte, laissez ça à notre Dieu. Let's stop to try to fix it and let it to God. Il réglera bien le compte comme il faut. He will fix it better than we can. Pas dans ta manière, mais not in à sa way, manière. But in his ways. Alléluia. Amen. Amen. Pour cela, and for that, Christ a dit à tous ceux qui croient en lui. Christ said to everyone that believes in him. Tous ceux qui croient en lui, c'est vous, c'est moi. It's me and you. Nous allons voir ce qu'il a dit à ceux qui croient en lui. Let's see what he said. Alléluia. To those who believe in him. Alléluia. Ça se trouve dans Colossiens. It's in Colossians. Colossiens, chapitre 1, verset 20 à 22. Chapter 1, verse 20 to 22. C'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers de tout entier. Ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son fils a versé sur la croix. Alléluia. Oh, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ce que Dieu nous dit pour dire soyez sûrs que j'amènerai la paix dans votre vie. Look at what God is telling us to tell us that be sure that I will bring peace in your life. Je n'ai pas envoyé mon fils pour rien. I didn't send my son for nothing. Alléluia. Amen. Mon fils n'a pas quitté le trône de gloire pour venir perdre le temps. He didn't leave the throne of glory to waste time. Croyez en lui. Believe in him. Croyez en lui. Believe in him. Et vous serez sauvés. You will be saved. Croyez en lui. Believe in him. Et la solution sera trouvée. The solution will be found. Croyez en lui. Believe in him. Et la réponse sera là. And the answer will be there. Croyez en lui. Believe in him. Croyez en lui. Let's believe Alléluia. In him. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il nous recommande. That's what he's recommending. C'est ça qu'il nous recommande. That's what he's asking us. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La mort de Jésus the death of Christ a permis la réconciliation de l'humanité avec Dieu. Alone reconciliation of humanity with God. Ça, nous le savons. That we know it. Et nous le disons. And we say it. Mais nous ne l'appliquons pas dans notre vie. But we don't apply it. Lorsqu'il s'agit d'un problème, when there's a problem, nous oublions cette parole. We forget that word of God. Nous comptons sur notre propre. We count on our own strength. Et Dieu aujourd'hui nous dit, cessez de compter sur vous-même. Stop counting on yourself. Comptez sur mon fils. Count on my son. Que je vous ai envoyé. That I sent you. Qui a versé le sang. That shed. C'est ça. Le sang n'est pas.
Il n'a pas perdu le sang pour rien. He didn't waste his blood for nothing. C'est pour qu'il y ait la paix sur la terre. That was for peace on earth. Alléluia. Amen. La mort de Jésus-Christ. The death of Christ. A amené une restauration harmonieuse entre le Créateur et la création. Brought a restoration between the Creator and creation. À cause du péché. Because of sin, nous vivions dans le désordre. We were living in disorder. Alléluia. Mais à la mort de Jésus-Christ, but on the death of Christ, l'harmonie a été retrouvée. We found back our restoration. L'harmonie du départ. The harmony. Lorsque Dieu visitait Adam et Ève, il y avait l'harmonie. The harmony that was there in the time of Mais lorsque, lorsqu'ils ont péché, un désordre est entré dans le couple. But when they sinned, a disorder came in the couple. Un désordre est entré dans leur vie. In their life. De façon qu'ils se sont vus nus. To the way that they saw that they were naked. Dieu vient le visiter. Où est-ce que vous êtes? God comes to visit where you are. Nous sommes cachés quelque part ici, comme si Dieu ne voyait pas partout. Nous sommes cachés parce que nous sommes nus. God asked them, "Where are you?" And they said, "We're hiding because we're naked." Qui vous a dit que vous êtes? Who told you that you were? Vous avez été toujours comme ça. You've always been that. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Now, what's wrong? Parce que Dieu n'est plus avec eux. Because God wasn't with them anymore. Nous avons proclamé l'année, Dieu est avec nous. We've said that this year God will be with us. Mais si vous laissez Dieu à côté, but if you leave God aside, je vous dis que vous serez nus. I am telling you that you'll be naked. Nous serons nus si nous laissons Dieu à côté. If we leave God aside. Alléluia. Amen. Mais si nous restons avec Dieu, nous sommes habillés. But if we stay with God, we have clothes. Alléluia. Amen. Être habillé en Dieu. To be clothed in God. Alléluia. Cette parole. Être habillé en Dieu. Non pas les habits. Non pas un costume. Not a suit. Mais en Dieu. But in God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette réconciliation est liée à la notion d'ordre. That reconciliation is with order. Dieu nous a réconciliés pour que l'ordre soit retrouvé. That God reconciliated us to be in order. Pour que l'harmonie soit retrouvée. So that we can find harmony. Et que le désordre disparaisse dans notre vie. Alléluia. Lorsqu'il n'y a pas de paix. When there is no peace. La notion de désordre revient. The disorder comes back. Parce que chacun veut faire ce qu'il veut. Because everybody wants to do what they want. Et vous savez que lorsque l'homme veut faire ce qu'il veut. And you know that when a man wants to do something, la première chose qu'il doit faire, c'est s'acheter un revolver, tirer sur les ennemis. The first thing that they have to do is to get a gun and shoot the enemies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons fuir le désordre. We have to run away from disorder. Le désordre qui nous provient du péché. That comes from sin. Le désordre qui nous provient de l'oubli que Jésus-Christ est mort pour amener l'ordre. That comes from forgetting that Christ died to bring order back. Jésus Christ est mort pour amener la paix et ne pas He died to bring peace and not disorder. Là où il n'y a pas de paix, where there's no peace. Là où il n'y a pas de paix, where there's no peace. Il y a un désordre. There's disorder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi. And that is why. Dans l'église. In church. L'ordre doit régner. Order has to reign. L'ordre doit régner dans l'église de Dieu. In the church of God. Dans l'église de Christ, l'ordre doit régner. Of Christ, order has to reign. Amen. Lorsque tu te mets à côté avec un copain ou une copine, avec un frère, when you put yourself aside with a friend, vous commencez à critiquer un autre frère. And that you start criticizing another brother or sister in Christ. Vous n'êtes pas dans l'ordre. You're not in order. Lorsque vous vous mettez à côté en train de critiquer le pasteur. When you start criticizing the pastor. L'ordre ne règne pas au milieu. Order doesn't reign among you. Alléluia. Lorsque vous êtes quelque part en train de critiquer ce qui se passe à l'église. When you're criticizing what's happening at church.
La paix de Dieu n'est pas avec toi. The peace of God is not with you. Et Dieu n'est pas avec toi. And God is not with you. Alléluia. Nous devons éviter ce désordre là. We have to avoid that. Alléluia. Dans la famille, lorsque quelques personnes commencent à se grouper là-bas, parler de notre frère. In the family, when some people are starting to gather together to talk about their brother. Et si c'est une grande famille, un autre groupe se fait là-bas et est en train de critiquer l'autre groupe. And if it's a big family, another group is over there criticizing another group. Alléluia. La famille va disparaître. The family will certainly disappear. Parce que vous créez un groupe d'opposition. Because you're creating groups of opposition. Une famille est celle qui a family qui se met ensemble pour combattre ensemble. To fight together. Quels que soient les défauts qui se trouvent dans votre famille, no matter the weaknesses, quels que soient les défauts, family, no même si celui-là a un défaut, on ne respecte pas. Even if that one you can't stand them. Il est notre frère. They're your brother. Et tous c'est notre frère. After all, he's your brother. Laissez-lui. Let him. Il est comme ça. He's like that. Supportons-le comme tel qu'il est. Stand him the way that he is. Et ça va former la force and de la famille. That will create the strength of your family. Alléluia. Dans la famille, on n'est pas parfait tous. We're not perfect. Alléluia. Mais nous devons nous supporter mutuellement. We have to support. Nous devons être solidaires. Nous devons former une force. Et c'est ainsi que les gens de l'essayer, vous verrez, mais on ne peut pas remarquer. Les gens de l'essayer vont dire, on ne peut pas remarquer les défauts de cette famille. And that's how people from outside will say, we can't really see the weaknesses of that family. Parce que cette famille est meilleure. Not because that family is better. Parce qu'ils se supportent entre eux. But because they stay together. Et c'est ça qui crée l'harmonie dans la famille. And that's what creates harmony in the family. Il y a ceux qui aiment parler. There's some that love to talk. Vous ne pouvez pas les empêcher. You can't stop them from that. Il faut les aimer comme ça. You have to love them. Il y a ceux qui aiment injurier les autres. There are some that love to gossip about others and to. Tu les rencontres, ils commencent à t'injurier. You see them and they start saying bad things. Que ta réponse soit un sourire. May your answer be a smile. Mais mon frère, à chaque fois que je te rencontre, tu m'injuries. Pourquoi? But my brother, whenever I see you, tell me bad things. Why? Moi, je t'aime comme ça. I love you that way. Alléluia. Lorsque tu vas lui dire ça, il va dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? They will say, what am I doing? Mais si tu commences à lui pointer les doigts, but if you start pointing your finger at them, la guerre a commencé. The war is starting. Et c'est la même façon que nous devons nous comporter dans la vie. And that is how we have to behave in the c'est church. C'est de la même façon que nous devons nous comporter dans la vie. It's the same way that we have to behave in the church. Il faut que la paix, l'église c'est une famille. Church is a family. Il faut que la paix règne dans l'église. Peace must reign. C'est un mot d'ordre de l'année. It's an order for this year. Ne regardez pas les défauts de ton frère ou de ta sœur. Don't look at the weaknesses of your brother and sister. Certainement qu'il a des qualités. For sure they have qualities. Regarde derrière lui. Look behind them. S'il fait des erreurs. If they do mistakes. S'il fait des bêtises. If they do wrong things. Jette un coup derrière lui. Il y a des qualités aussi. You will find qualities. Et comme ça, tu ne parleras pas des défauts, mais tu vas parler des qualités. And that way, you won't talk about yeah. their et Dieu trouvera plaisir en toi et il va bénir la famille. And God will find pleasure in you and bless the family. Alléluia. Ainsi, la paix de Dieu demeurera en nous. And that's how the peace of God will stay in us. Puisque nous avons confié notre vie à Dieu. Since we gave our life to God. Et Dieu qui pardonne. A God that forgives. Alléluia. Amen. Notre Dieu pardonne. Our Lord nous aussi nous devons pardonner. And we have to forgive also. Notre Père pardonne. Our Father nous forgives nous and we pardonner. Have to do the same thing. Alléluia. Amen. Il pardonne les pécheurs. He forgives the sinners. Nous aussi nous devons pardonner. We have to forgive ceux qui commettent also des erreurs à the one that commits mistakes towards us. Alléluia. Amen. Dans notre monde actuel, in our actual word, troublé, troubled, et qui vit dans l'inquiétude, that lives qui vive dans qui vit dans l'inquiétude, worry. Alléluia. Amen. Nous devons nous distinguer. We have to distinguish de ce monde-là. From this word. Ils sont secoués parce qu'ils ne s'entendent pas. They're shaken because they don't
understand them. Ils sont secoués parce qu'ils ne se supportent pas. They're shaken because they don't stand themselves. Lorsque l'un dit une chose, l'autre cherche à analyser. When one is saying something, the other one is trying to analyze it. Laissez Dieu analyser pour vous. Let God do that job. Laissez Dieu analyser ce que l'autre a dit pour vous. What the other day. Parce que si tu commences à analyser, ça va t'amener très loin. Because if you start analyzing, it will bring you far. Seigneur Dieu, Lord, ce que mon frère, ma sœur vient de dire, what my brother just said, je ne veux pas analyser. I don't want to get into it. Je mets ça entre tes mains. I'm putting that in your hands. Analyse ça pour moi. And analyze it. Et ce que tu trouveras, what you will find, ça sera ma joie. It will be my joy. Et ce que tu trouveras, ça sera mon honneur. It will be my honor. Seigneur, God, prends tout. Take everything. C'est toi ma justice. You are my justice. Notre Dieu est notre justice. Our God is our justice. Notre Dieu c'est notre justice. He is our justice. Si tu es en train de traverser un moment d'injustice, if you're going through a moment of crois-moi, si tu confies ça à Dieu, Dieu va te trouver une solution. If you give that to God, God will find you an answer. Même si ce n'est pas dans l'immédiat. Even if it's not right now. Notre Dieu ne court pas. Our God doesn't run. Notre Dieu n'est pas pressé. Our God is not in a hurry. Le temps de Dieu the time est, of God est le meilleur. Is the best. Alléluia. Attends le temps de Dieu. So wait for the time. Et Dieu apportera la solution. And God will bring the solution. Alléluia. Alléluia. C'est la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir. Only the peace of God that can move everything that we can think of. Alléluia. Amen. Cette paix, that peace, est devenue une réalité pour nous qui croyons. Became a reality for us. Alléluia. That believe. Amen. Nous qui croyons. Us that believe. Nous qui nous appuyons. Us that stand. Sur les promesses divines. On the promises of God. Ce que je suis en train de vous dire, ce sont des promesses divines. What I'm telling you are promises of God. Dieu vous promet qu'il va vous venger. God is promising you that he will revenge Dieu, for Dieu you. Dieu vous promet qu'il va faire des grandes choses. That he will do great things for you. Alléluia. Amen. Mais doucement. But slowly. Ça me fait penser il y a quelques années. Few years ago. Lorsque il y a eu la guerre au Rwanda. When there were war in Rwanda. J'étais déjà ici avec ma famille. I was already here with my family. Alléluia. Amen. Il y avait un frère qui vivait à Montréal. There was a brother in Montreal. Et on se parlait souvent. And we would talk often. Et alors il m'a dit, ton Dieu, qu'est-ce qu'il pense de ce qui est en train de se faire au Rwanda? And he told me, what is your God thinking about what's happening in Rwanda? C'est Dieu. Pourquoi il ne punit pas ces gens? Why isn't your God punishing those people? J'ai dit, toi, confie ça à l'Éternel et Dieu ça le fera. And I said, give that to the Lord and God will take care of it. Ça n'a pas été ainsi. It wasn't that way. Il a continué à parler. He kept on talking. Quelques temps après. And a while after. Ce qui était en train de tuer. The ones that were la fuite. Killing. Run away. Ils ont traversé, sont allés au Congo. Went in Congo. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'ils sont arrivés, but when they got there, ils ont rencontré une épidémie ou un virus. Ils sont morts, nombreux. Most of them died. Alors il m'appelait. So he called me. Mais c'est vrai ton Dieu. Tu as vu ce que ton Dieu a fait? And he said, have you seen what your God did? Il était dans la joie d'entendre que les autres sont morts. To hear that the others were dead. J'ai dit, arrête. And I said, stop. Ne dis plus rien à ce sujet. Don't say anything. Lorsque tu es au tribunal, when you are in court, et que le juge prononce un verdict, and that the judge gives the verdict, est-ce que tu peux parler avec un tel langage? Can you say such a thing? Il a dit non. He said no. Comment Dieu prononce un verdict et toi tu es en train d'être dans la joie comme si tu étais meilleur? How can God give his last word and you're in joy like if you were better than them? Ces gens probablement sont en train d'être punis à cause de ce qu'ils ont fait. Probably those people are being punished because of what they did. Toi aussi bientôt tu seras puni à cause de ce que tu as fait. But soon you will be punished for what you did. Et c'est toutes les paroles qui sont sorties de ta bouche. Especially from the words of your mouth. Alléluia. Amen. Il a dit dans ce cas alors je ferme la bouche.
And he said, in that case, I'm keeping quiet. Mais il n'a pas fermé la bouche. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, laissez Dieu faire. It's to tell you that you have to let God. Dieu fait bien. God does well. Alléluia. Amen. Mais nous ne devons pas être contents parce que les autres sont en train de. But we can't be happy because the other ones are being punished. Parce que nous aussi ne sommes pas. Because we are not better than. Probablement le lendemain c'est nous. Probably the next day it's us. Cherchons plutôt la sainteté au lieu de. So instead, let's look for holiness. Que les autres sont punis. Instead of rejoicing because others are being punished. Alléluia. Dans la famille, là où il y a beaucoup d'enfants. In family where there's many children. Lorsqu'on punit deux. When they're punishing two. On s'est dit, à quelques minutes, ce sera notre tour. You tell yourself in a few minutes. Tu ne peux pas commencer à dire, oh, ils n'ont qu'à sentir ça. You don't start saying, oh, they should feel that. Probablement, c'est que tu vas dire, papa va t'appeler, viens. Qu'est-ce que tu viens de dire? What you will say, your father will call you and say, what did you just say? Alléluia. Évitons de se réjouir parce que les autres sont punis. So let's avoid to rejoice because others are being punished. Confions nos difficultés à l'Éternel. And give all our difficulties to the Lord. Et Dieu fera le reste. He will do the rest. Alléluia. 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 Amen. Que la paix de Dieu demeure à nous. May the peace of God stay in us. C'est ça le titre de notre message. That's the title of our message. Que la paix de Dieu demeure à nous. May the peace of God stay in us. Ce sentiment de paix doit être une réalité dans notre vie. That feeling of peace has to be a reality in our lives. Là où tu marches. Where you walk. Les relations que tu entretiens. The relationship that you keep. Dans ta famille. In your family. Envers tes enfants. Towards your children. Envers ton épouse. Towards your wife. Envers ton mari. Or your husband. Tes sentiments doivent être des sentiments de paix. Your feelings have to be feelings of peace. Et non pas des sentiments d'agression. And not of aggression. Dieu ne nous a pas créés pour être agressifs. God didn't create us to be aggressive. Mais il nous a créés pour être doux. He created us to be gentle. Humble. Humble. Et saint. And simple. Alléluia. Cette paix doit être entretenue. That peace has to be maintained. Alléluia. Amen. La paix doit être entretenue. It has to be maintained. Dieu nous donne la paix. God gives us peace. Mais nous devons l'entretenir. But we have to take care of it like we take care of a house. Comme on entretient notre like corps. Like we take care of our body. Comme on entretient nos habits. Like we take care of our comme clothes. Comme nous entretenons tous ceux qui nous ont chers. Or everything that's that we love. La paix doit être entretenue. Peace has to be maintained. Par une prière. By a prayer. Amen. Une prière solidaire. Together. Une prière commune. A common prayer. Une prière d'ensemble. A prayer all together. Et c'est ça qui montre que tu n'as aucun problème avec ton frère. And that's what shows that you don't have a problem with your brother. Lorsque tu appelles ton frère. When you call your brother. Lorsque tu appelles ta sœur. When you call your sister. Est-ce qu'on peut prier ensemble, mon frère? Can we pray together, my brother? C'est qu'il n'y a pas de litige. That's because there's no fight between you guys. Parce que si y avait des litiges, tu vas appeler. If you guys were fighting, you might call somebody else. Alléluia. Amen. Lorsque tu diras, je voudrais prier. When you will say, I would like to pray with a partner. Non, pas Olivier. Not Olivier. Pas Winnie. Not Winnie. Mais pourquoi tu exclues Olivier? Pourquoi tu exclues Olivier? Why do you have to put them aside? Il y a quelque chose. There must be. L'aigle d'abord, c'est le problème qui est que tu te retiens d'avoir Olivier et Winnie comme partenaire. Find a solution for that first. Alléluia. Amen. Tu arranges cela et ensuite. Tu vas chercher notre partenaire, mais Abraham il se problème parce que si tu t'es arrêté là, c'est qu'il y a un problème. Fix that problem first. Alléluia. Amen. Tu as vu que si tu pries avec eux, la prière ne va pas monter au ciel parce qu'il y a un problème. L'aigle d'abord le problème. L'aigle d'abord le problème. Fix that problem first. Et ensuite, tu vas continuer à chercher quelqu'un d'autre. Mais Dieu t'a montré qu'avec les deux personnes, il y a un problème. But God showed you that with those et two people, ces gens ne peuvent pas garder, ne peuvent pas garder ton secret. And you think that those two people can't keep your secret? Pourquoi tu soupçonnes ça? Why do you think that? L'amour ne soupçonne pas. Mon frère, c'est ça que la Bible nous dit. That's what the Bible tells. Lorsque tu soupçonnes, c'est que tu n'es pas dans la Bible. Something, that's tu es en dehors de la Bible. You're alléluia. Outside of the Bible. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Let the Holy Spirit direct you. Dans tout ce que tu veux faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une prière où notre Seigneur y est
il y ait un participant actif. A prayer where our Lord is a participant that's active. Lorsqu'il y a une prière de deux personnes, when there's a prayer between two people, notre Seigneur Jésus-Christ est entre Christ eux. Is among them. Alléluia. Amen. Si nous sommes à genoux, il est à genoux. If we're on our knees, he's si on nous sommes knees. Debout, if il we're est standing, debout. He's standing. Alléluia. Amen. Cherchez à ce que notre Seigneur soit au milieu de nous. So let's try to make sure that our Lord is in our midst. Oh, il a donné une condition. But he gave one condition. Je serai au milieu de vous. I'll be among you. Si vous êtes à deux. If you're two. Si vous êtes à deux, je serai au milieu. If you're two, I'll be among you. Amen. Qu'est-ce qui t'empêche? What is stopping you to be more than two? Qu'est-ce qui vous empêche? What is blocking you to be two when you pray? Vous êtes un couple. L'un va se mettre à genoux là-bas, l'autre là-bas. Qu'est-ce qu'on est en train de prier? And say that you're praying. Quel genre de prière que tu es en train d'adresser à Dieu que ton mari ne peut pas entendre, what que ta femme ne peut pas entendre? Giving to God that your husband or your wife can't listen to. Le premier partenaire, your first partner should be your husband or your wife. Amen. Lorsque vous n'avez pas de partenaire, non, je veux chercher un partenaire avec celui-là. When you don't have a partner, par ton mari. Try to look for a partner. Commence par ta femme. You should start by your husband. C'est là où Dieu vous veut. Because that's where God wants you. Dieu veut vous voir uni. God wants to see you united. Dieu veut vous voir venir vers lui. God wants to see you come towards him. Dieu a des bénédictions spéciales pour vous. And God has special blessings for couples. Saviez-vous ça? Did you know that? J'en ai parlé dans les enseignements des couples. I talked about it in the teaching of couples. Alléluia. Il y a des bénédictions spéciales pour le couple. There is some special blessing for couples. Mais un couple qui prie ensemble. But a couple that prays together. Lorsque tu pries séparément, when you don't pray les bénédictions ne viennent pas. The blessings don't come. Les bénédictions ne viennent pas. The blessings don't come. Et il faut vous mettre ensemble. You have to be together. Il faut vous mettre ensemble. You have to be together. Et c'est alors que le Seigneur Jésus-Christ viendra comme actif. And it's then that the Lord Christ will come as active. Dans la prière. In prayer. Et lorsque vous avez prié, que Jésus-Christ est actif dans votre prière, Christ is active in your prayer. Il porte la coupe de reconnaissance et de requête au trône de gloire. He brings the cup of acknowledgement and of glory. Tout ce que vous avez dit. Everything that you said. Tout ce que vous avez dit, parce que vous l'avez dit selon la direction du Saint-Esprit. Since you said it according to what the Holy Spirit told you. Notre Seigneur le prend. Our Lord takes it. Il met dans la coupe, dans la coupe d'honneur. And puts it in the cup of honor. Il apporte ça devant le trône de gloire. And brings that in front of the throne. Et la réponse. And the answer est immédiate. Is right away. Ce sont des dires. C'est parce que j'ai prié avec depuis deux ans, Dieu ne répond pas. Est-ce que tu as suivi cette méthode-là? Est-ce que tu as suivi cette stratégie-là? Did you follow that strategy? Tu pries de ta façon. You pray in your own way. Cesse. Stop. Que cette année tu changes ta manière de prier. You may change. Changez votre manière de prier. Change your way of praying. Mettez-vous ensemble. Be together. À deux, à trois, à quatre, à cinq. Alléluia. Amen. Je glorifie le Seigneur parce que le responsable des hommes vous a dit de prier ensemble et vous avez choisi mercredi. I glorify the Lord because the responsible of men told you to pray together on Wednesday. Est-ce que ça existe encore? Is it still happening? Je poserai la question au responsable. The responsible. Et si ça existe encore? And if it's still on? Je vous encourage même dans l'année 2016. During 2016. Si vous continuez dans ce sens-là, if you keep on that, keep that direction, chaque mois nous aurons des témoignages. Every month, for men, amen. Je vous garantis que nous aurons des témoignages à faire. Testimonies to do. Parce que les hommes se sont mis ensemble, because men ils ont parlé put themselves together, talked about Dieu, God et was in their midst, and He will do it. Amen. Nous devons le faire. We have to do it. Nous devons changer notre we have to change our way of praying. Et vous verrez la gloire and de you will see the glory of God in your life. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette paix de Dieu doit régner dans tous les domaines de notre vie. That peace of God has to reign in all the areas of our lives.
sans exception. Without any exception. Sans aucun domaine exceptionnel. Without an area that's exceptional. J'ai énuméré quelques-uns. I've numbered some of them. Où la paix doit régner. Where peace has to reign. Et doit d'abord régner dans notre entourage. It has to reign first in our entourage. Lorsque tu fais comme ça, tu trouves qu'il y a la paix ici. When you move, you lorsque find peace ça, there. Tu dis, on tu your left and la on your right. Lorsque tu regardes devant, la paix règne. When you look in front, you find lorsque peace. Lorsque tu regardes derrière, la paix est derrière moi. And behind. Pas parce que les choses marchent comme il faut. Not because things are working well. Parce que Dieu est avec toi. But because God is with you. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre entourage. So first our surrounding. Notre couple. And our couple. Alléluia. Amen. Il y a ceux qui vont prêcher la parole de Dieu ailleurs. Some will preach the word of God. Dieu nous dit. But God is telling us. Commencez par Jérusalem. Start by Jerusalem. Jérusalem des couples, c'est chez eux, tous les deux. At home. Est-ce que votre Jérusalem marche bien? Is your Jerusalem working well? Avant d'aller aux extrémités de la terre, regardez si Jérusalem tout va bien. To the edges of the word, look alléluia. At Jerusalem. Notre église. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devons savoir est-ce que les gens de notre ethnie nous les soignons comme il faut. Our groups are. Oh non, moi je ne veux pas être tribaliste. Non. Les gens de chez toi. Your group, your people. Commence par eux. Est-ce que tout va bien? Start by them. Ton frère. Your brother. Ta soeur. Your sister. Ton cousin. Your cousin. Ta cousine. Your cousin. Ton oncle. Your uncle. Ton oncle paternel, ton oncle maternel. All your uncles. Est-ce que tout va bien? Is everything well? Est-ce avec la paix de Dieu est au milieu de vous? Is the peace of God in vous devez le savoir. Et si ce n'était pas, commencez à soigner cela. And if it's not the case, try qu'est-ce to take care of that. Il y a un problème entre toi et ton oncle. What brought a problem between you and your uncle? Entre toi et ton père. And your father. Entre toi et ta mère. Between you and your mother. Pourquoi Dieu ne va? Why is nothing going et tu dis, tu lèves la main. And you lift your hand. Alors que toi avec ta mère, ça ne marche pas. When you have issues with alléluia. Amen. Là, tu vas arranger le problème. Il faut qu'il y ait la paix de Dieu entre toi et ta famille. Between you and your family. Alléluia. Amen. Dans nos familles in our families, et vos enfants. In your children. Comment voir tes enfants te voir? How do your children see you? Est-ce que lorsque tu viens du travail, les enfants courent vers toi? When you come from work, do they run to you? Ou bien ils vont se cacher dans la chambre? Or they hide in the room? Et comment papa entre, il y a des reproches? Since daddy is coming, for sure he's gonna reproach us. Alléluia. Amen. Il faut que la paix de Dieu peace soit entre toi. Peace of God has to be between you and your children. Alléluia. Amen. Cela ne veut pas dire que tu dois laisser les enfants faire n'importe comment. It doesn't mean that you have to let the children do whatever they want. Tu peux les punir et les attirer lorsqu'ils ont bien fait. You can punish them and bring them towards you when they did good. Les reprocher lorsqu'ils ont commis une faute. To reproach them when they did something wrong. Et les féliciter lorsqu'ils ont bien fait. And to congratulate them when they did something good. Et cela, ça va vous approcher. And that will bring all of you together. Créer des relations personnelles avec nos enfants. Personal relationship with your children. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nos relations professionnelles. Our professional relationships. Vous avez d'opposition au travail. You have a position at work. N'entretenez pas ces relations. Don't keep those relationships. Toi, sois bon envers ces gens. Be good to those people qui veulent te créer des problèmes. That want to create problems. Et tu dis, Seigneur. And you say, God. Je fais ce que je dois faire. I did what I had to do. Toi, tu t'occupes du reste. Take care of the rest. Cette personne. That person. Voici la raison. Here's the reason. Here's what they did. Mais je mets tout entre les but I put everything in your hand. Et Dieu va contrôler. And God will control. Dieu va contrôler. God will control. Et si la personne résiste, and if the person resists, Dieu s'en occupera. God will take care of it. Dieu s'en occupera. God will take care of it. Mais toi fais ta part. But do your part. Et Dieu fera sa part. And God will do his own. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
nos relations avec nos voisins. Our relationship with our neighbors. Ça, je ne vais pas y revenir. Je vous ai donné l'exemple. J'ai parlé avec ma voisine. Et lorsque je suis là, après avoir arrivé à l'île, j'ai dit à mon épouse, je viens de parler avec la femme du voisin. After taking c'était vraiment une exploit pour moi. I told Alleluia. My wife that I talked with the neighbor. It was ils ont créé une special manière. For me because they created. Mais lorsque on arrivait à neige, on parlait. But when we were taking, je dis, voici la situation. Ça faisait deux ans, trois ans. Ils ont créé des problèmes. And they caused us problems. Je but now, cette ouverture. I saw that little window. Je me suis dit, si la femme me parle. And I said, if the wife is talking to me tomorrow, it might be the husband. Alléluia. Et je prie que cette famille, Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils nous ont fait mal, la première chose que j'ai dit, Seigneur, amenez-le au Seigneur. When they hurt us, the first thing that I say is, God, bring them to you. La mort de Jésus-Christ. Discovered the death of Christ, like me. Et nous allons nous entendre. And we'll understand. Et je glorifie le Seigneur parce que j'ai vu là un petit signe qui me montre que les choses commencent à marcher. And I glorified the Lord and I saw a little sign that showed me that things are going through. Que la paix de Dieu demeure en nous. May the peace of God stay in us. Le chrétien. The Christian. Le chrétien c'est qui? C'est who toi, you, c'est moi. And me. Alléluia. Amen. Le chrétien est un ambassadeur du Christ. Is an ambassador of Christ. Alléluia. Amen. Vous êtes un ambassadeur du Christ. You are an ambassador of Christ. Vous représentez le royaume du Christ. You represent the kingdom of Christ here on earth. Alléluia. Amen. Alors, la conduite d'un chrétien comme ambassadeur. So the behavior of a Christian as an ambassador. Sa conduite. Their behavior. Son message principal. Their first, their principal message. Doit engager tout un chacun à être réconcilié avec Dieu et tout homme. Has to bring everybody to be reconciled with God and with every man. Pas un message contraire. Not an opposite message. Cet homme ne t'aime pas. That man doesn't like you. Tu dois tenir. So you have to stand. Tu dois lui dire telle chose. You have to tell them such a thing. Tu dois lui montrer qu'il you a have to show him who you are. Laisse God, Dieu le faire. Let God do what parce que Dieu his part. Because God will do it better. Lorsque tu vois que les choses ne marchent pas, when you see that things are not going well, mets-toi à genoux. Get on your knees. Mets-toi à genoux. Get on your knees. Et Dieu va apporter la solution. And God will bring the solution. Alléluia. Amen. Quand l'homme réconcilié avec Dieu est invité à aimer son prochain. Because the man that's reconciled with God très is called to love their neighbor. Mais nous devons le faire parce que nous sommes avec lui. It's hard, but we have to do it because we're with God. Cette année, Dieu est avec nous. This year, God is with us. Si Dieu est avec nous, if God is with us, we have prochain. To love our neighbor. Le prochain, ce n'est pas le chrétien. It's not the Christian. Ce n'est pas le frère or the brother Christ. And the sister in Christ. Le prochain, même c'est le païen. Your neighbor is also the unbeliever that's creating problems. Tu dois l'aimer. You have to love them that Alleluia. Way. Alleluia. Amen. Et nous devons être artisans. Vous connaissez ce que c'est? Il y a des... avant qu'on parle des écoles professionnelles en Afrique, dans le temps. Before that, they would talk about professional schools. Les écoles de métier. There were schools of... des écoles artisanales. They were school of trades. Alléluia. Actuellement, en Afrique, on les appelle des écoles professionnelles. And now they call them a school of professional schools. Dans le temps, on les appelait des écoles artisanales. Before they were school of trade. Dans les écoles artisanales. And in those schools, on apprenait comment fabriquer une table. You would learn how to build a table. On apprenait comment fabriquer une chaise. A chair. Alléluia. Amen. On apprenait comment fabriquer. Or how to build. Comment réparer des casseroles. Alléluia. Amen. Lorsque une casserole était trouée, il y avait des artisans qui fermaient les trous. How to
quelque chose pour fermer et tout. Et on continue à préparer dans la même casserole qui était trouée. So, ceux qui n'avaient pas de moyens. Alléluia. Ce n'était pas facile d'aller acheter une nouvelle casserole. Alléluia. Et on réparait ça. Il n'y a que des artisans qui faisaient ça. So it was them that would do that. Alléluia. À l'école artisanale, on réparait une cliché cassée. Alléluia. Voici à l'école artisanale comment on faisait. Here's how they would act. Nous aussi. And ourselves. Comment ces artisans faisaient like cela. Those students. Nous aussi, nous devons faire ça avec la paix. We have to do that with peace. Alléluia. Même pour quelque chose qui est brisé. Even for something that's broken. Que la paix règne. May peace reign. Que la paix règne. May peace reign. En commençant par votre starting by your couple. En commençant par votre famille. Starting by your family. En commençant par vos enfants. Starting by your children. En commençant avec vos starting parents. Starting by your parents. En commençant avec vos frères. Starting by your brothers. Il faut que ce qui est cassé, what's been broken, puisse être un artisan pour you have to ça. Be able to rebuild it, et to repair it. Plaisir. And God will find pleasure. Et Dieu qui va vivre avec nous. The Lord that will live with us. Dieu est avec nous. God is with us. Il veut que nous réparions. He sees that we repair. Évidemment, pas nous seuls, mais avec lui. Of course, not alone, but with Him. Ainsi nous connaîtrons le succès. And that's how we will get to success. Et la réussite. And find success. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 18 pour terminer. In Romans 12, verse 18 to end. Alléluia. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici la parole. Here's the word. On ne dit pas avec les frères. Tous les hommes. With brothers, they're saying with everyone. Les méchants. The mean one. Comme les gens. Like the good ones. Le plus cruel. The most cruel. Comme les meilleurs. Like the best ones. Nous devons vivre avec we have to live with everyone in peace. Que Seigneur vous bénisse. May God bless you. Amen. Amen.